fait une nouveauté chez les femmes. S'appelle... Une nouveauté qui va s'appeler le Laila, qui va être le pendant du Venture, donc ce qui est plutôt orienté freeride, enfin 60% poudreuse, 40% piste. Et vraiment un ski pour des femmes qui veulent aller chercher de la neige profonde, mais toujours de l'accessibilité également sur la piste avec des rayons assez courts. Un léger rocker sur l'avant. On va retrouver la spatule Venturi également pour venir gommer les aspérités de la piste. Et produit vraiment pour des rideuses, freerideuses. Et pour celles qui ont connu le Rosa à l'époque, on a fait une évolution un petit peu par rapport aux missions Venture. Donc on a Rosa et maintenant c'est Laila qui est l'évolution de ça, qui est plus moderne. Donc mesdames, préparez-vous. Aujourd'hui j'ai testé les Laila. Donc c'est des tout nouveaux Scott pour femmes. C'est le pendant féminin du Venture. Et là pour 2013, le Laila tout neuf, tout beau. J'ai adoré. Une prise en main mais exceptionnelle. On s'y adapte tout de suite, pourtant il est quand même assez large, il a quand même 94 au patin, mais on les sent pas, ça peut carver sur la piste, s'il y a des gros paquets de neige, ça passe, ça écrase tout, et franchement, même en petite courbe, quand ça se rétrécit sur les chemins, on peut vraiment tourner, virer en petite courbe, en petit rayon, et puis en grande courbe, ben, ça va de soi, hein, ça tient. Donc il y a un truc sur ce ski, c'est qu'il a une spatule et puis un talon Venturi. En fait vous voyez c'est creusé un peu comme ça, je sais pas si on voit bien. Voilà, le talon c'est pareil. Donc c'est vrai que ça améliore bien la glisse, moi je l'ai senti. Hein, et ça donne quand même une certaine accélération. Bon c'est un ressenti, après la spatule jamais elle tape, ça c'est cool. Donc une spatule bien stable et puis ben voilà un ski stable qui tient tout le temps quoi. Il y en a sous le pied. Il y a quand même le Laila qui va être intéressant pour les filles. On a une construction spéciale plus légère, donc un petit peu moins ferme sur l'avant pour les filles. Et le Laila, de ce qu'on a vu au début de cet hiver là, on a vraiment aussi beaucoup de succès. Donc c'est un ski qui reste aussi super léger. Et pour un 90, les filles ne s'en rendent pas compte, elles adorent. D'accord. Donc on reste là, toujours polyvalence et puis une certaine performance.